C'est l'histoire de la famille voyage. Mathis, Sandrine, Cédric, ça déménage. Ils ont déjà vu l'Europe, mais là ça change. Direction l'Asie, c'est le nouveau challenge. Depuis 2015, ils tournent autour du globe. Des souvenirs dans chaque coin, chaque aéroport, d'école, les nains. Beaumont, ils ont tout quitté pour rêver. 20 pays au compteur, ouais, ils savent voyager. Un mois ici, un mois là-bas, c'est la vibe dans leur sac à dos. Tout ce qu'ils ont pour survivre, de Venise à Dubrovnik, ils connaissent les spots. Mais là c'est Tokyo, Shibuya, ils montent un cran, escale en Chine. Vol de 15 heures, ils sont prêts pour une immersion totale. C'est l'Asie qu'ils célèbrent. Mathis, Sandrine, Cédric, on voyage sans limite. Dis pas de t'aller à l'Asie, c'est timide. Mathis, Sandrine, Cédric, le monde est leur street. Direction le Japon, c'est une nouvelle suite. Ouais, Mathis, Sandrine, Cédric, ils vivent leur dream. Du bout du monde, ils poursuivent leur rime. Tokyo sous les néons, ils débarquent dans la vibe. La culture, les temples, un nouveau monde les invite. Sandrine déniche des bijoux pour sa boutique. Cédric sur le net, il fait son marketing unique. Mathis grandit avec des paysages comme Manuel. L'école, c'est la vie, il apprend l'essentiel. Ils ont déjà vu l'Europe, les montagnes, les mers. Mais là, c'est la technologie et les cerises en fleurs. Les rues de Shinjuku, les sushis au marché. C'est leur première fois en Asie, ça va les marquer. Mathis, Sandrine, Cédric, on voyage sans limite. Tu pas de t'aller à l'Asie, c'est inutile. Mathis, Sandrine, Cédric, le monde est leur street. Direction le Japon, c'est une nouvelle suite. Ouais, Mathis, Sandrine, Cédric, ils vivent leur dream. Du bout du monde, ils poursuivent leur rime. Un nouveau continent, de nouveaux horizons. Chaque étape, chaque vie, une nouvelle passion. Ils vivent chaque instant, et ils tracent leur propre chemin. Le Japon les attend, pour eux c'est que le début de mars. Mathis, Sandrine, Cédric, sans frontières. Toujours en mouvement, avec l'amour en première. Ils prennent l'Asie d'assaut, yeah, c'est leur vibe. La famille voyage, on suit leur lifestyle, c'est live. On les voit s'envoler, le monde est leur terrain. Le Japon les appelle, et ça ne fait que commencer, c'est certain. Thank you.